Bonjour et bienvenue, c'est Darius de Décastronomie. Aujourd'hui, un petit live surprise. Donc voilà, et le ciel était couvert, puis ça s'est dégagé. Et puis, donc, je voulais programmer un live pour ce soir, mais voilà, la 4G faisait les siennes, et donc j'avais un débit minable. Et finalement, là, ça a l'air de passer. Et donc voilà, on retrouve dehors ma petite NEQ5. Donc j'ai un câble amplifié de 5 mètres qui va du PC qui est devant moi jusqu'à la monture qui est par là-bas. Et sur la monture, on trouve mon petit Samyang 135, une caméra ASI couleur. Et ce qu'on a ici à l'écran, donc ici on voit bien donc frame stacked 11. On a jeté deux. Bon. Il y a des petits passages nuageux, donc j'imagine que c'est ça. Donc là, on a la 12e normalement qui va arriver. Voilà, il l'a pris, ok. Et donc là, on voit la nébuleuse California ou Californie, voilà, dans le ciel. Alors si je tire un peu sur les niveaux pour avoir quelque chose d'un peu plus flashy. En assombrissant le fond du ciel. Voilà. Donc là, voilà, donc il y a un peu de vignettage, mais au cœur de l'image, on a bien la nébuleuse qui est très bien dessinée. Et il ne faut pas oublier que on est en pleine, que je suis en pleine ville de l'agglomération lyonnaise. Donc évidemment, le couvre-feu, c'est à 18 h, donc ça fait, là il est 21 h 30. Donc ça fait 3 h 30 de ça qu'il n'y a plus personne dans les rues, et pourtant tous les lampadaires comme d'habitude sont allumés. Mais au moins ce soir il n'y a pas la lune. Donc ce qui permet de faire une tentative sur la nébuleuse California, et là on voit quand même que c'est pas trop mal. Si on regarde un petit peu l'étoile qui... Bon, donc là le stack, voilà, il vaut ce qu'il vaut, mais... Ici, donc, au niveau de cette étoile-là, on voit qu'il y a plein d'aigrettes. Donc, ça montre bien que mon Samyang n'est pas à pleine ouverture, mais qu'il est à f2.8. Puisqu'en pleine ouverture, les étoiles seraient bien rondes. Donc, voilà. Et... alors, je vais agrandir un petit peu. Alors, à 40%, voilà. On voit déjà qu'à 40%, ça remplit quand même très bien l'image, par l'écran. Voilà. Alors, la balance des blancs, elle n'est pas parfaite. Il y a un peu trop de rouge et un peu, il manque un petit peu de bleu. Du coup, c'est pour ça qu'on a l'impression d'avoir un ciel un peu marron, mais ça, au traitement, ça se rattrape. Voilà, donc vu que je suis sur des pauses de 150 secondes, donc 2 minutes 30, il aurait fallu attendre un petit bout de temps. Enfin voilà, à chaque fois qu'on fait un ajustement, il faut regarder si c'est bon ou pas, bouger le curseur à nouveau, et ainsi de suite. Et donc du coup, il y en a pour 1 heure pour faire voilà, une petite balance des blancs aux petits oignons. Alors, est-ce que vous êtes nombreux? Ah, il y a 25 personnes. Bah, cool. 25 personnes, on a une belle nébuleuse, donc si je pouvais avoir 25 likes, ce serait pas plus mal. Hop, alors. Oh, toc, 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 ok. Alors, on a Nico. Donc le petit live de ce soir n'était absolument pas prévu. Enfin voilà, j'avais bon espoir que j'arriverais quand même à le faire. Mais voilà, donc quand j'ai installé le matériel, il y a des nuages qui sont apparus et qui m'ont caché tout le ciel. Et surtout plein sud où il y avait des choses intéressantes à voir. Donc du coup, je me suis rabattu sur le bout de ciel qui n'était pas couvert. Puis quand j'étais prêt à lancer le live, bah, du coup j'avais 600 kilos de débit au niveau de la 4G. Donc la 4G, on dirait que c'est la 2G des années 80. Mais bon. Et puis bah, le débit, voilà, il y a 21h25 a commencé à s'améliorer. Donc je me suis dit, bon bah voilà, je tente un live. Donc bonjour à tous ceux qui me rejoignent. Alors j'ai je vais toc toc toc. Donc Nico, bien joué, t'es le premier. Je vais ouvrir le Discord. Cloc, cloc. Hop. Voilà, on voit que le Discord met 3 plombs à se lancer. Bon, le temps qu'il se lance, je vais me remettre sur la caméra. Alors, on a 13 pauses, il y a la 14e qui arrive. Mais, comme on peut voir, voilà, elle était prise. Ok, donc il continue d'empiler, donc ça se passe pas trop mal. Voilà, donc là, je suis à 33%. Donc là, on voit juste un tiers du capteur. Enfin, enfin pas un tiers du capteur, mais voilà, à l'écran. Ce qu'on a, c'est voilà, le tiers de ce que pourrait être l'image en vrai. Donc voilà, à 100%, voilà ce que ça donne. Donc, on voit que la nébuleuse, elle est gigantesque. Et quand je me mets en auto, voilà. Donc là, on est sur un format micro 4 tiers. Et on voit quand même que l'image est quand même pas trop mal remplie. Donc là, 33%, voilà, ça remplit bien l'écran que j'affiche. Donc je suis sur des pauses assez courtes. J'ai voilà, j'ai mis un gain un poil plus fort que d'habitude. Mais on a quand même une image qui est pas trop bruitée. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Toc, toc, toc. Donc voilà, au programme, c'est de faire ben voilà, suffisamment d'acquisitions pour pouvoir stacker la nébuleuse California, ou Californie, ou en anglais California Nebula, donc NGC 1499. Et après, toc toc toc, en fonction, donc, alors voilà, donc l'autoguidage est en route. Ça se passe pas trop mal, sauf que donc là il est en train de tomber sur un os. Mais bon, quoi qu'il en soit, on voit bien que ça bouge. Et dans le ciel, bah voilà. Hop. Donc on est sur cette nébuleuse là, dans Percée. Et bah tiens, ce qui tombe bien, c'est que le Orion s'est mise de ce côté-là. Et, mais bon, Orion l'avait déjà fait, la tête de cheval, je l'avais déjà fait dans le live précédent. Donc voilà, dans le live précédent, j'avais fait les Pléiades, la tête de cheval et M43. Donc pour ce live-là, voilà, je vais faire juste un tout petit saut sur M42 et M43, l'histoire de voir voilà, comment est le signing, et puis si j'arrive à résoudre le trapèze avec juste 135 mm de focale. Et ici, on a la nébuleuse de la Rosette, qui dans pas longtemps aura franchi le méridien, et donc du coup, je pourrais imager bah, cette belle nébuleuse de Rosette que j'ai pas encore montrée en live, en direct. Donc voilà un programme qui me paraît bien sympa. Alors, est-ce que donc le Discord a fini par se le lancer? Oui. Clac. Donc dans le général, Nico, donc tu peux me rejoindre dans le Discord. Hop, donc le Discord est ouvert. Donc si ça te dit de venir, t'es le bienvenu. Donc j'imagine que dès que je entendrai un haut plat, ce sera bon. Alors hop, donc toc 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 Discord, bon normalement c'est bon. Alors, ah ok, donc Nico va nous rejoindre un peu plus tard. Donc voilà, bah, tu viens quand tu veux. Et bah voilà, donc alors, tu penses qu'avec une ASI 120 plus un objectif 55-250 Canon, je pourrais sortir quelque chose? Oui, bien sûr, on peut toujours sortir quelque chose. Ton capteur est petit, c'est pas la caméra la plus sensible du marché, voilà. L'objectif 55-250 de Canon, je l'ai, voilà, donc il est ouvert de f4 à f5.6, donc évidemment on a le f4 à 55 mm, c'est pas très lumineux, mais si tu as une monture équatoriale, bah là il n'y a pas de problème, hein. Juste pour dire, donc avec un APN, donc avec ce même objectif de 55 à 250 mm, sur trépied fixe, j'avais réussi à sortir la nébuleuse d'Orion à 250 mm de focale. Donc à f5.6 avec des poses de... c'était forcément des poses très courtes, de l'ordre de la seconde, voire même pas. Je sais plus. Et quoi qu'il en soit, voilà, donc il y a voilà, des cibles faciles, même sur trépied fixe, on peut les sortir. Et après, pour peu qu'on ait une Star Adventurer ou une Optron, ou... Donc j'ai eu une déconnexion, voilà, probablement à cause de la connexion 4G qui est ce qui est. Ouais, donc voilà, bon, par moment il y aura des petites coupures, donc je suis toujours là. Donc une petite coupure, mais c'est revenu. Merci la 4G. Donc voilà, bon, donc là j'ai 16 images, bon, du jeu ça donne accumuler quand même quelques-unes, l'histoire de pouvoir sortir une photo pas trop mal. Donc voilà, on a dans le chat Philippe, laisse ça, donc c'est lui qui fabrique ce que j'utilise pour monter mon Samyang sur ma petite monture, ma NEQ5. Donc voilà, la semaine dernière, j'avais sorti un épisode sur ce sujet-là. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Et si vous avez des questions, bah voilà, sur les différentes possibilités d'adapter des objectifs sur des montures équatoriales, et bah, comme Philippe est dans le chat, bah, n'hésitez pas à lui poser vos questions. Donc la 4G pas géniale, bah oui, vivement la 5G, même si elle est controversée aussi, mais bon. Donc voilà, c'est soit un de ces quatre je passerai à la 5G, soit un de ces quatre je finirai par m'offrir la fibre. Voilà, aujourd'hui j'ai ni l'un ni l'autre, donc je fais avec ce que j'ai, mais bon, de temps en temps, voilà, il y a des jours ça marche bien et des jours ça marche moins bien. Alors, tant que ça marche mal, quand le ciel est couvert, bah, ça pose aucun problème. Tant que ça marche bien, les jours où le ciel est découvert, et bah, tout va bien. Et puis bah, aujourd'hui, bah, pour une fois, le ciel, ça fait 3 semaines que je n'ai pas eu un ciel comme aujourd'hui, qui va se couvrir d'ailleurs d'ici 2 heures. Normalement, il doit être complètement couvert à minuit. Et puis bah, demain, je me lève à 5h30, donc voilà, on va pas faire voilà, un live de plusieurs heures. Mais quoi qu'il en soit, voilà, donc là, on est sur une première cible. Et derrière, il y aura le... Alors, tout à l'heure, j'avais fait une tentative. Donc voilà, donc on fera de la Rosette. Juste avant, j'irai faire un petit saut du côté de la nébuleuse d'Orion. Voilà, qui est du bon côté du méridien. Donc là, voilà, je pense que j'arriverai, si le signe est bon, à résoudre le trapèze. C'était le défi qui m'a été lancé lors du dernier live. Après, ben, voilà, on fera la Rosette quand elle aura traversé le méridien. Donc le méridien, c'est ce trait imaginaire qui coupe voilà, le ciel de part en d'autre entre le nord et le sud. Et donc voilà, le bon côté de l'endroit où j'habite, hormis le fait que ce soit en pleine ville, et pas n'importe laquelle, ville lumière, l'agglomération lyonnaise. Voilà, aujourd'hui on a quand même la chance de ne pas encore avoir la lune et voilà, c'est dans quelques temps, voilà, j'ai la chance d'avoir donc 20 degrés avant le méridien et 10 degrés après le méridien, donc voilà, j'ai 30 degrés où j'ai un ciel à peu près moins pire que tout le reste, et heureusement c'est plein sud. Alors, ouais, donc la coupure est revenue. Question, est-ce qu'il existe des colliers de fixation pour des objectifs comme le Samyang 300 mm f6.3? C'est un objectif catadioptrique. Pou, pou, pou. Alors, donc... pas à ma connaissance, mais après il y a toujours moyen de se débrouiller en montant l'APN en piggyback sur un instrument. Alors JL Astro, merci beaucoup pour ton soutien. Et Nico, non, je t'entends pas. Alors, je vais regarder ce qui... Donc là, ça se passe bien. Et pourquoi, Nico, je t'entends pas? Alors, attends. Hop. Nico. Donc là, moi, je suis branché. La voix est connectée. Pop, pop, pom, pom, pom. Oups. Eh ben, écoute, je vois pas pourquoi il n'y a pas le son. Alors, le Discord. Ouais, il n'y a pas de flux. Pourquoi? Donc là, c'est l'audio du bureau. Ah, on a la 19e pause, oui c'est ça, la 19e pause qui va arriver dans dans quelques secondes, et si on regarde, voilà, alors je vais, du coup, c'était ici, voilà, et là, si on regarde, voilà, donc l'image commence à devenir sympa. Toc, 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 si je me mets à 100%, voilà. Côté bruit, on est quand même assez propre. Donc je me remets. Donc voilà. Et donc là, on a notre belle nébuleuse qui se dessine. Donc là, on voit bien au niveau de la balance des bancs qu'il y a un léger déséquilibre entre le rouge et le bleu. Mais bon. derrière, voilà cette photo, je vais faire des darks, je vais faire des flats. Parce que donc là, quand on regarde, quand on tire sur l'histogramme, on a quand même, voilà, même si c'est un objectif qui est fait pour un capteur plein format, et que donc là, le capteur de ma caméra, c'est même pas le tiers d'un plein format. Il n'empêche que dès qu'on tire un peu trop sur les niveaux, bah le peu de vignettage qu'il y a, bah il se fait quand même sentir. Hop. Et mais bon, je rappelle quand même, voilà, vu les conditions de prise de vue, le fait d'arriver quand même à sortir ça, c'est déjà pas si mal. Je vais essayer de assombrir un peu le ciel, tirer un peu sur les niveaux. Voilà, donc on voit bien que plus on tire sur les niveaux, et plus le vignettage s'accentue. Mais ça, voilà, avec des flats, on peut la... ça va partir, donc c'est pas un souci, et quoi qu'il en soit, voilà, notre nébuleuse, elle est bien là. Elle a une belle couleur rouge, beaucoup d'hydrogène, et il n'y a pas d'étoiles très chaudes à côté, comme c'est le cas des Pléiades, et donc du coup on a une belle couleur rougeâtre. Alors, on a la 20e pause qui arrive. Roulement de tambour. C'est bon, elle a été prise. Alors, hop. Donc, je me remets à un tiers de l'image. Donc là, on voit bien que, voilà, là, avec une très courte focale, bah, certains objets passent sans problème. Et après, pour les objets qui sont tout petits, avec un Samyang 135, donc tout à l'heure, je ferai peut-être une vue. Sur cette zone là, voilà le Cocher qui est juste à côté. Donc là, avec ce capteur là et donc avec cette caméra là, j'arrive à avoir tout ça. Donc M38, M36, la petite NGC qui est là, l'araignée et la mouche. Donc la mouche, c'est ce petit pâté là, et l'araignée, elle est là. Là. Et donc là, on a la nébuleuse du Tétard et de l'étoile flamboyante. Donc avec cette caméra là, j'arrive à avoir pratiquement tout ça dans le même cadre. Donc je ferai peut-être une pause, voilà, l'histoire de montrer tous ces trucs à la fois. Et avec le Samyang, ce qui est sympa, c'est justement de pouvoir composer des images avec plusieurs objets, voilà, qui remplissent bien le capteur. Alors Nico, donc, donc on t'entend toujours pas. Pourtant je suis connecté. Nico, alors on a le volume à 80%. Donc pourquoi on t'entend pas? Alors Nico, pour ton tube 250 par 1000, quelle caméra d'autoguidage me faudrait-il? Car sur aventure, je aime le blabla, il paraît qu'elle n'est pas assez grosse. Alors si la monture, enfin voilà, la caméra, et l'autoguidage, ça va pas résoudre voilà, les problèmes de monture, peu importe la focale qu'on y met. Alors tu m'as mis le Albonnet péruvien, ouais, bah, ce sera... Là, il n'y en a pas besoin, je suis en intérieur. Et par contre, donc, si on regarde ici, donc, on voit bien que l'autoguidage marche. Donc voilà, on est en live pour de vrai. Et vu que je suis bien au chaud, bah, le petit bonnet péruvien, il n'y en a plus besoin. Alors... Ouais, donc la photo a l'air vignettée, bah oui, voilà. Quel que soit l'objectif d'appareil photo, enfin voilà, quand on a énormément de signal, bah, du coup le vignettage il passe inaperçu. Mais là, voilà, si je remets l'image telle qu'elle est vraiment, alors un petit coup de, voilà, de reset ici. Donc voici ce qui arrive sur la caméra. Voilà, donc ça c'est... Alors c'est pas les brutes puisque c'est les images qui sont déjà empilées, mais grosso modo, voilà, on voit bien la pollution lumineuse de la ville de Lyon. Donc là tout ça c'est voilà, de la pollution lumineuse. Et après, voilà, quand on décale hop. Bah, sans compresser l'histogramme, on voit déjà un petit peu la nébuleuse. Ah, il y a une troisième pause qui a été rejetée. Voilà, et dès qu'on tire sur l'histogramme, bah, le vignettage s'accentue. Alors, toc, toc, toc. On est un peu bas. Donc il y a soit un nuage qui est passé devant. Alors je me remets à un tiers. Donc là en auto, je dois être, voilà, je suis même pas à 16%. Donc là c'est l'image à 16%, à 20%, à 33%. Là, on a l'image à 100%. Donc on voit que au niveau de la caméra, voilà, de toute façon, l'image, voilà, à l'écran, on est en HD, donc c'est à peu près 2 mégas. Et la caméra, c'est une 20 mégas. Donc grosso modo, l'image complète, elle est 10 fois plus grande que l'écran, en termes de résolution. C'est pour ça que je dois me mettre à 33% pour avoir voilà, la partie de la nébuleuse qui m'intéresse. Alors... Alors, je vais regarder où se situe la Rosette. Voilà, elle approche tranquillement du méridien. Donc, quand elle sera au méridien, donc le temps de faire une petite balade du côté de M38, M36 et de jeter un œil sur la nébuleuse d'Orion. Elle aura traversé le méridien et je pourrais bah, commencer à stacker sur la Rosette. Après, plus on a de pauses et bah, meilleure est l'image en sortie. des charcuteries, la Rosette, c'est pas ma préférée. Alors, ça m'intrigue quand même, l'histoire du Discord. Bon, il n'y a pas de flux, il n'y a pas de flux. Voilà, on a 22 pauses. Donc là, on commence à avoir une image relativement propre. Alors, quand je dis propre, c'est en termes de bruit. Et donc là, ici, au niveau de l'histogramme, donc on voit un bout de l'histogramme. Et l'histogramme complet, on l'a ici. Donc on voit encore qu'il y a des zones très bruitées. Mais à chaque nouvelle acquisition, le bruit diminue un petit peu. Alors là, il y a encore une nouvelle pause qui va arriver. Voilà, 23, elle a été prise. Alors, là, quand je règle l'histogramme, c'est voilà, c'est juste de l'affichage. Ça n'a aucun impact sur les acquisitions. Ça ne perdure pas les acquisitions, ce que je veux dire. Alors, donc Nico me dit d'aller sur son Discord. Donc je me déconnecte. Hop. Alors, Nico, connexion en cours. Pour en train de se prendre la poire. Je t'entends. Ah, bah bon. Oh, miracle. En fait, c'est ton Discord, il y a un problème. Sur OBS, il a dit ouais, non, c'est sur Discord. Ça va, Darius, ou quoi? Ouais, salut Nico, impeccable. On s'en est sorti, c'est bon. Mais à mon avis, tu as un problème avec ton truc sur Discord, je pense. Il faudrait que tu regardes. Ouais. J'étais en train de chanter la Reine des Neiges, après je faisais la marche, enfin bref. Et, et ben, du coup, ils m'ont entendu et puis c'est marrant. Donc on l'entend bien, la pendule. Ne me dites pas merci maintenant que vous n'entendez plus que ça. Donc salut les gens, j'espère que vous allez bien. Donc tu nous fais quoi de beau là ce soir ? Alors, au programme, donc là en ce moment, on a 23 pauses sur la nébuleuse NGC 1499, donc la nébuleuse Californie, ou California Nebula. Et donc, voilà, par rapport au live que j'avais fait au mois de novembre, là j'ai ressorti la caméra couleur. Et donc, du coup, on a la nébuleuse. Puis après, voilà, donc la deuxième grosse cible, ce sera donc la Rosette. Et avant de faire la Rosette, il y a voilà, donc j'avais fait un petit essai et c'est sympa. C'est de choper tout ça à la fois sur ce capteur là. Donc du coup, avoir le tétard, l'étoile et l'autre amas ouvert. Donc M36, M38, NGC 1907, le tétard qui est là, et puis bah, tant qu'à faire, essayer de sortir l'araignée et la mouche. Donc là, je ferai voilà, une grosse pause, l'histoire de sortir une image comme ça. Ouais, j'allais dire parce que t'es un peu optimiste quand même. Hein. Non, tout à l'heure, je l'ai tenté et je l'ai eu. Ah, et d'ailleurs, même avant le début du live, j'avais même eu, un petit... Alors, c'était pas un bolide, mais voilà, il y a eu une petite météorite. Donc, c'est dommage, j'avais pas encore commencé à stacker. Donc, j'ai juste eu le temps de faire une impression d'écran, et c'est ce que j'avais collé dans la vignette de la vidéo. Mais d'accord, bon, ouais, ouais. Et puis, alors, Orion, je l'avais fait et refait. Je l'avais fait en H-alpha, je l'avais fait en O3, je l'avais fait en couleur. Mais par contre, quand je l'avais fait en couleur, donc on m'a suggéré un défi de résoudre le trapèze avec le Samyang 135. Alors, en général, ouais, pour résoudre le trapèze, il faut un peu de focale. Mais quand le signe... Ou alors avoir une sacrée mise au point, un très très bon film. C'est ça. Et, ou voilà, pousser le gain et faire de la pause courte. Donc en fait j'avais le jour où j'avais fait la tentative lors du dernier live, je l'avais eu sans le savoir. Donc en fait je l'avais fait en live stacking, et en live stacking c'était pas probant. Toc toc toc, qu'est-ce qu'il fait? C'est Mercure rétrograde, les problèmes de communication. Non mais c'est un truc de ouf. Là je suis en train de gérer moi aussi, là je suis en train de... parce qu'il faut savoir que bah, c'est un peu mon anniversaire sous peu, et puis j'ai déjà eu mon cadeau. Et j'ai eu un nouveau petit micro assez sympatoche, et du coup, bah, je suis en train d'essayer de le connecter. Le même que le mien, le Blue, le Yeti Blue. Ouais, non, j'ai celui-là, le Blue, ouais, celui-là, il est super. Mais non, j'en ai eu un autre, mais un cravate, là, parce que j'avais un micro-cravate qui est super quand j'enregistre les vidéos, mais par contre, quand je fais des directs à un Rode... ah oui, Rode, oui. Franchement, un gros boulet. Mais là, non, j'en ai eu un nouveau micro-cravate, là, qui pourrait être pas mal. Okay. Donc là, voilà, donc c'était lors du dernier live, donc, qui était le 19 janvier, voilà, c'était là où on m'avait dit, voilà, le défi de résoudre le trapèze à l'intérieur de la nébuleuse d'Orion. Donc là, on reconnaît bien les trois étoiles qui sont un petit peu sur le côté, et là, donc, si on compte, 1, 2, 3, 4. Alors, le signe était tout pourri, donc sur les autres photos... ça donne rien du tout, ça donne un espèce de pâté. Ah, sur celle-là, voilà, on l'avait. Donc là, on voit bien 4 points. Et voilà, Pascal donc... Lefebvre qui me rejoint. Ouais, c'est Pascal. Et donc là, voilà, quand je passe les différentes vues, bah, on voit que comment les étoiles gigotent. Donc on voit que le ceiling était tout pourri. Et malgré ça, voilà, sur une seule des poses, je la retrouve. On dirait que c'est des pulsars. Ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. Ouais. Et il n'empêche que voilà, sur cette pose-là, la toute première, et ben on a 1, 2, 3, 4 petits points. Donc voilà, je l'avais, voilà, même avec un signe où on a vu que le signe, bah, d'une photo à l'autre, c'était tout pourri. Ah ouais, là c'est plus pour, effectivement. Et même malgré ce signe-là, sur une des photos, j'avais réussi à l'avoir. Donc aujourd'hui, le signe est meilleur et je pense que ça devrait bien se passer. Ah ouais, là, t'allais bien, c'est les étoiles. Non, c'est pas aujourd'hui mon anniversaire. Bah, bon anniversaire à Benjamin Diaz, alors. Mais c'est sous peu. Et de toute façon, je ne fête pas mon anniversaire parce que cela veut dire que je vieillis. Et moi, je veux rester jeune. Par contre, j'accepte les cadeaux. Ça, c'est autre chose. Et je les accepte aussi. C'est ça. C'est le principal. Voilà, voilà. Donc, voilà, on a la Rosette qui est sur le point de franchir le méridien. On va encore attendre 1 ou 2 minutes. Et donc là, je vais claquer voilà, une image ici sur le cocher. Et donc avec les 2 amas, plus les quelques nébuleuses, ça fera une photo qui devrait être quand même sympa. Et voilà, donc je ferai voilà, une toute petite tentative pour cette fois-ci en live, résoudre le trapèze d'Orion. Et dès que la Rosette aura traversé le méridien, bah, du coup on va terminer le live sur la Rosette. Et en fin d'hiver, si vous êtes sage, je tenterai un truc de folie. Le casque de Thor qui se cache un peu dans cette zone-là. T'as accès, toi? T'as de la chance. Ouais, mais bon, il est très bas à l'horizon, noyé dans la pollution lumineuse, et puis bah, avec les confinements, depuis chez moi, c'est vraiment pas facile de l'avoir. Mais voilà, j'avais fait une tentative, c'était timide, mais on arrivait quand même à voir le, voilà, un peu les deux cornes, et puis surtout la bulle. Mmh. Donc c'est voilà, ça reste voilà, extrêmement difficile, mais si lors d'une nouvelle lune, c'est jouable. Oh bah ouais, par contre, vu que c'est voilà, faut qu'il monte ouais, oh, dans 2 semaines, ce sera jouable. Dans 2 ou 3 semaines, voilà, il sera suffisamment haut assez tôt. Y a-t-il de l'importance de l'épaisseur des fils? J'ai mis dans le premier panier optique ou une machin. Bon, je vais pas faire de la pub tous les soirs non plus, faut arrêter. Oh. Des 3 nanos, 36 mm anti-A, roue à 7 fils. Ouais, faut que tu rajoutes. Hein. Les anti-A, ils font 3 nanos et puis tu rajoutes à peu près 0,7 mm d'épaisseur pour les anti-A. Il faudrait que tu mettes un petit spaceur dans ton système. Moi, j'ai eu un trépied pour la Star Adventurer comme cadeau à mon versaire. C'est un bon cadeau quand même. Voilà, on est à 27 pauses. J'en fais encore 4. Et puis, je vais pouvoir voilà, faire les 3 cibles que j'ai annoncées. Ton stacking avec SharpCap te donne des images au format PI, donc de nombreuses images que tu empiles comme sur un APN en RAW. C'est ça, ouais. C'est effectivement ça, Jean-Claude. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, bonsoir. Il y a Steve Rusty qui dit hashtag Nico à 109 km/h, je t'explique pas le signe. Bah, tout à l'heure, il parlait d'astéroïdes et de météores, des bolides, des trucs comme ça. Bah, là, en ce moment, c'est mes tuiles qui sont en train de faire ça, tu vois. Ils tombent du ciel. J'ai failli m'en prendre une dans la tronche en allant dans mon garage. C'est assez sympathique. Alors que moi, aujourd'hui, il fait doux. Alors, est-ce que le... Ah, ça, par contre, il fait doux aussi. Ah, là, pour le coup, il fait super doux. Il ferait presque même un peu chaud. Quoi. Enfin, c'est un peu bizarre. Quoi. Le temps, là, il est chaud. Voilà, au niveau... Donc, voilà, il n'y a pratiquement pas de vent. Donc, là, au niveau de l'autoguidage, total, 0,19. Ouais. C'est pas mal, hein. Par contre... Sur une NEQ5. Les gens... Ouais, bah oui, c'est une bonne monture. Par contre, les gens, vous êtes 58 et il n'y a que 50 pouces. Et c'est qui a mis ce pouce à l'envers? Ah merde, c'est moi, pardon. Non, c'est pas vrai. Non, c'est Archibald, ça encore. Ça, c'est Archibald, je suis. Couvert dans le sud-ouest depuis 3 semaines et plus. Mais ça, chez nous, l'explorateur, c'est dans le nord-est de la France, c'est, on va dire, pas 3 semaines, c'est 3 mois. Ouais, donc. Voilà, moi, quand on regarde, la dernière fois que j'avais un ciel correct, c'était voilà, le 19 janvier. Donc là, il y a quand même voilà, 2 semaines de ça. Et le coup d'avant, c'était 3 semaines d'avant. Donc en fait, en ce moment, c'est voilà, 1 ou 2 nuits par mois, pas plus. Mais bon, les beaux jours finiront par arriver. Et j'espère que d'ici là, on sera déconfiné, parce que donc voilà, quand vous voyez ce que j'arrive à faire ici, depuis l'agglomération lyonnaise, avec un ciel tout pourri, d'ailleurs vous avez sûrement vu la vidéo sur la pollution lumineuse que j'avais faite la semaine dernière. Alors, non, José, il est sur NEQ5. Voilà, une monture pas des plus glorieuses. Ah, alors, il y a Gianni qui dit « Excuse-moi, je suis très novice, mais je demande si l'épaisseur des fils, 3 nanos... » Alors, attention, c'est pas l'épaisseur. 3 nanos, c'est la bande passante qui va passer. C'est-à-dire que si tu filtres en H-alpha à 3 nanos, tu auras plus de filtration qu'en 6 nanos ou en 7. Donc, c'est même mieux. En 3 nanos, 3 jours avant la pleine lune, tu peux faire des trucs vraiment super. Hein. Alors, non, juste... c'est pas moi, je mets pas de pouce en bas. Quand ça me plaît, je mets. Quand ça me plaît pas, je m'en vais tout simplement. Ah, ok. Bon, bah maintenant que je suis là, tu peux partir, hein, Archibald, hein, vu que je te plais pas, tu m'aimes plus. Oh non, mais faut que tu restes. T'es trop cool, Archibald. Nous, à Toulouse, avant-hier. Il nous dit Jean-Claude. Beau temps. Franchement, vous avez du bol. Hein. Petite question, est-ce qu'il est possible de faire du live avec Azière? Mais bien sûr, du live stacking, tu parles. Mais oui, c'est tout à fait possible. Vous êtes 60. Mais d'ailleurs, il y a José qui dit bravo, mais je pense que Jean-Claude Cucciara, là justement, qui est dans le chat parmi nous, il a une super monture aussi, et c'est une EQ32. Hein, il a une super monture. Moi, la mienne, voilà, de temps en temps, il doit y avoir, voilà, donc là, c'est nickel. Et à un moment donné, on verra qu'il y a un petit couac. Donc sur un des pignons, il doit y avoir un petit quelque chose, une saleté ou quelque chose qui... Voilà. C'est régulièrement, de temps à autre, il y a un petit... Il y a un petit à-coup, mais bon. Archibald. Ouais, c'est bizarre par contre tes petits à-coups là. Alors, il est pas encore... Celui dont je parle, il n'est pas encore arrivé. Là, pour l'instant, ça va. Il y a Pascal Lefebvre qui dit « Suite à hier soir, c'est quoi la différence entre la version du Focuser Pegasus, la normale, et la version Premium ? Et à quoi sert le boîtier ?» En fait, le Focuser, pour qu'il fonctionne, il faudra obligatoirement le boîtier. Ça, c'est... Voilà. Le petit Focus Cube, là. Il marche super bien, ce truc-là. Mais comme disait d'ailleurs, moi, si je peux me permettre de conseiller plutôt autre chose, prends le Sesto Senso, il est super. Il ne doit pas te donner celui-là. Moi, il est quasiment au même. Il est pas de. Oui, mais par contre, qualitativement, il est top. Hein. Il n'y a pas de backlash. Franchement, c'est super. Petit geek, merci pour la réponse. De rien. Je me suis dit, les premiers jours, vu la météo, je vais plutôt boire l'apéro. Le problème, c'est que je suis à l'apéro depuis 3 mois. Ouais, bah, c'est un peu le problème ici en Alsace, et surtout que nous aussi, on n'est pas gâtés avec tous les viticulteurs. Ouais. Et puis, je crois que, voilà, au moins dans le mois qui suit, c'est pas prêt de s'arranger. Ok, merci beaucoup Nico. Et dans la roue à filtre avec des filtres non montés, me faut-il commander quelque chose en plus ou la roue est complète pour fixer mes filtres? Oui, elle est complète. Ça contre, dépend où tu l'achètes, mais les EWO, oui, elles ont les petites vis qui vont bien. Ouais, elles vont bien. Sauf si vous utilisez des filtres astronomiques, parce que maintenant, comme les filtres astronomiques, ils ont un liseré de protection autour du verre, bah, les vis, elles sont pas assez longues. Donc, c'est un peu compliqué de les fixer avec les vis fournies. Et c'est sûr que c'est pas simple avec les filtres, là. La patte de Nicolas. Ouais. Je confirme aussi bonne que mon HEQ5, la charge utile en moins. Of course, la PA, ouais. C'est énorme le matos. Moi, j'en suis encore à mettre du fil de pêche devant l'objectif pour faire les aigrettes. Ah bah ouais, devant l'objectif de quoi? Puisqu'en fait, voilà, des aigrettes, moi j'en ai, et avec un objectif, enfin, il faut juste fermer d'un pas et puis c'est réglé. Ouais, en fait, ouais, c'est ça. Quand tu diaphragmes un peu ton téléobjectif, en général, ouais, tu as des aigrettes qui apparaissent. Par contre, on n'a pas trop. Voilà. On voit bien les aigrettes. Voilà, je la mets bien au milieu et vous pouvez compter. Donc, il y en a 18 parce que mon objectif a 9. Lamelle de diaphragme. Et donc là, si je tire sur l'histogramme pour l'accentuer, c'est pas très réactif, mais bon, voilà, on voit quand même que voilà. Donc là, je suis pas à F2, je suis à F2.8. Bah avec le Samyang 135, il vaut mieux fermer un peu. C'est quoi le boîtier que tu as derrière? La ZWO 183 MC. Mm. Donc c'est du 20 millions de pixels avec des photosites de 2,4 micromètres. C'est voilà, c'est pour le Samyang, elle est très bien puisque donc du coup elle a de la résolution, le Samyang a du piqué et donc c'est un couple qui marche bien. Par contre sur un C8 c'est pas la peine. À moins de faire du binning 4-4. Mais sinon, voilà, c'est une étoile avec le piqué de mon C8. Elle va faire 50 pixels. Je caricature. Regarde mais... voir, parce que là, tu as des pixels quand même qui sont petits. Tu peux juste regarder dans les quatre coins. Bon, il y a le décalage, mais je veux juste voir un truc. Il y a du back. Le back focus est mal réglé, donc j'ai des comètes. Ah, c'est bien ce que je me disais. Hein. J'ai l'impression que tu n'as pas le bon back focus. Non. Ouais, c'est compliqué quand, avec un téléobjectif quand même. Quand je passerai la commande avec les références... Là, voilà, tu vois, ici, il y a des comètes. Mais par contre, donc, voilà, quand on regarde l'image, au final, je vais garder que la moitié de mon image. Je vais la cropper. Ouais. Donc, dans la zone... ouais, mais attends, je suis pas sûr que tu aies que de la... je suis pas sûr que tu aies qu'un problème de back focus, là. Bah, là, en plus, on est en live stacking. Et au niveau du live stacking, pour qu'il empile toutes les poses, je suis cool au niveau des paramètres d'empilement. Et donc, il empile, il empile comme il empile. Ce n'est pas le même empilement que quand tu fais avec un logiciel d'astronomie. Enfin, là, l'empilement, il est approximatif, donc ça aide pas non plus. Ouais. Ça existe un focuser pour téléobjectif par hasard? Oui, ça existe. C'est un focuser à courroie. En fait, tu as une grande courroie qui vient entourer le système de mise au point et qui repart en fait au niveau d'un petit pignon qui se trouve sur le moteur. Tu fixes ça sur une queue d'aronde et ça fonctionne super bien. Bon, on a eu la 31e pause. Donc là, il est grand temps de changer de cible. Donc, ah bah tiens, regarde. T'as vu? Là, je suis tombé sur l'os. Et donc, c'est comme ça, voilà, de temps en temps, voilà, il y a un moment donné où il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est sur l'axe des déclinaisons. Il y a quelque chose, je ne sais pas ce qu'il y a. Ah ouais, effectivement. T'as un souci technique, là, mon petit. Hein. À t'avoir dans tes paramètres de guidage. Non, non. Donc, agressivité, t'es à 70. En déclinaison, t'es un peu violent, quand même, je trouve. Bah, à mon avis, je pense que tu as peut-être un problème. C'est bizarre, ça. Non, non, ça vient de la monture. C'est pas PhD qui pose problème. Puisque tout à l'heure, tu as vu que c'était nickel. Tu me l'envoies, hein. Envoie-moi là, hein. Et je te la remets en état. Hein. C'est pas possible, ça. Ça peut pas durer, ces choses-là. Hein. Surtout quand je suis là. Hein. Moi, j'accepte pas ce genre de choses. Hein. Il y a Steve, là, tu vois... justement, qui nous dit qu'il vient de commander le Samyang 135. Bah, t'as fait un super choix. Ouais. C'est... Enfin, voilà. Là, donc, voilà. Donc, j'ai dit que j'arrêtais. Bon, il y a la 32e pause qui arrive. Bon, du coup, je vais la garder. Mais juste après, je vais arrêter l'empilement. Et du coup, on verra les autres cibles. Et en fait, même pour des tout petits objets, ce qui est bien, c'est que du coup, on peut faire de la composition. Là typiquement bah voilà le mois dernier j'avais enfin non en décembre j'avais vu une comète dans au niveau de l'Orion et après je l'avais chopée quand elle est passée à proximité de M1 donc du coup j'avais une photo avec M1 et la comète donc c'est une des comètes Atlas une énième Atlas là je sais plus où elle est rendue. Mais quoi qu'il en soit, voilà, donc là maintenant il y aura deux amas ouverts et 3-4 nébuleuses sur la même image. Donc ça fait vraiment des images qui sont vraiment sympas. Pareil quand j'avais fait, bah tiens une fois, donc là on est dans le la grande ours, c'est Skirchou. Voilà, elle est ici, ou Samyang 135, donc voilà, on peut faire. Bah voilà, la nébuleuse de Hibou et M108. Donc les deux sur la même photo, enfin, voilà, ça fait des photos composites qui sont vraiment sympas. Et puis eh ben, évidemment dans la Vierge, ben, ça permet d'avoir voilà, plein d'objets. Même s'ils sont tout petits, voilà, on voit au moins voilà, les distances qui les séparent. Enfin, voilà. Il y a énormément de choses à photographier. Donc déjà il y a pas mal de choses très grosses. Bon, ici depuis Lyon je peux pas shooter, mais un de ces quatre quand je serai dans la nature, je me ferai la tête de sorcière. Donc la tête de sorcière, on voit que c'est quelque chose de gigantesque dans le ciel. Ah, c'est immense, ouais. Voilà, les Pléiades ou la nébuleuse d'Orion, voilà, chacune des deux est plus grosse que la pleine lune. Et là, quand on regarde la sorcière à côté, voilà, c'est plusieurs pleines lunes. Mmh. La galaxie d'Andromède, c'est 6 fois la taille de la lune. Bon, donc je disais que j'arrêtais le stacking. Donc là, c'est la dernière et je clique sur... Bah, d'ailleurs, je vais commencer à enregistrer. Alors, save, hop. Oh, Archibald, tu m'as tué. Oh là là, il est grave. Ouais, il faut souhaiter un bon anniversaire à Benjamin Diaz qui nous a rejoint aussi. Donc, il y a la dernière pause qui arrive et on va passer du côté du cocher. Mais là, on voit bien quand même que voilà, on a une belle couleur rouge. Ouais, j'ai vu et... Pascal, effectivement, c'est un carnage. L'explorateur, il demande ce qu'on préfère, le ciel d'été ou l'hiver. Il dit, moi, je préfère l'été quand même. Bah, moi, je préfère l'hiver. Bah, moi, je préfère l'été, au moins, je les vois quelques jours par an. C'est ça. Mais bon, voilà, le ciel d'hiver, enfin, c'est pas le même. Enfin, voilà, chaque saison a ses attraits. Par exemple, le printemps, c'est là où on a bah, tous les amas galactiques dans la Vierge. Donc là, voilà, si on aime les galaxies, bah, y a de quoi faire. À commencer, enfin voilà, et puis à côté dans Lyon, voilà, on a le triplet, le quintuplet, enfin voilà, il y a énormément de choses. Enfin voilà, pour les galaxies, c'est vraiment génial. L'automne, là encore, il y a des choses qu'on voit pas pendant l'été ou l'hiver. Bah, typiquement l'âme, le cœur, enfin tout ce qui est dans Cassiopée, voilà, il y a quand même voilà, la trompe d'éléphant. C'est quand même des objets sympas à faire. Et puis, enfin voilà, chaque saison a vraiment ses trucs spécifiques. Donc j'ai eu la 33e pause, donc j'arrête le live stack, j'arrête l'autoguidage. Tu vois là, l'autoguidage là, il est nickel. Et ça va être comme ça pendant un bon bout de temps. Et à un moment donné, sur l'engrenage, il doit y avoir une saleté ou quelque chose. Et de temps en temps, bah, pouf, il y a le petit truc qui est... Voilà. Bon, donc j'arrête l'autoguidage. Ce que je te conseille de faire, c'est que tu essayes de trouver d'où vient ton problème. Tu tournes avec ta raquette, tu tournes, essayes de tourner d'un demi-tour, tu vois, pour justement faire... Mais avec le frein desserré, pour justement, si tu as une cochonnerie au niveau d'un des pignons, tu essayes de trouver d'où vient le problème, comme ça, et tu le verras. Mm. Et en plus, voilà, donc, en fait, quand ça arrive, je l'entends. Il y a un petit claquement qui se fait au niveau de la monture. Mmh. Alors, donc là, on va faire... Ah, ou alors, c'est le tournage, c'est trop serré. Et là, tu as peut-être un petit décalage, vu que tu n'as pas de roulement hein, sur ces montures-là, sur la deck. Et du coup, il arrive que les roulements soient trop, que la couronne soit trop serrée sur l'axe. Ouais, bon, je ne serre jamais très fort le frein. Tu parles du frein ou d'autre chose? Non, le frein, faut le serrer, mais faut pas non plus trop le serrer parce que le fait de trop le serrer, donc c'est ce que non, tu fais, c'est juste. Là en mais, plus, si voilà. Tu trop fort, tu vas le contraindre. Ouais, donc voilà, le frein, il est jamais très fort serré, puisque donc là en plus, bah, vu le poids d'un Samyang, ça pèse 3 fois rien. Pour une monture qui peut quand même supporter 10 kg, là on a moins, enfin on a 1,5 kg de charge. Entre l'objectif, l'autoguidage et la caméra, elle seule qui fait dans les 600-800 grammes. Mmh. Attends, je réponds à quelques questions là du coup. Julien qui nous demande, as-tu déjà fait un truc sur la calibration d'aviseur polaire? T'en as pas fait un toi déjà? Non. Non, non. Non, alors, par contre, ça, je l'avais sur mes deux montures, j'étais obligé de le faire puisque quand on les achète, c'est jamais réglé correctement. Mais par contre, ouais, c'est tellement chiant à faire que voilà, je et en fait voilà, le jour où j'aurai une nouvelle monture, je le ferai. T'as pas besoin, tu utilises ma méthode, tu vas voir, ça va tout seul. Si tu veux te prendre la tête à calibrer ton viseur polaire, oh là là, je vais aller me coucher moi. Ton viseur polaire. À ce moment-là, tu vas voir sur la chaîne du cosmonaute fantôme. Il a fait un petit tuto sur ça. Ça marche super bien, son système. Sinon, tu utilises le Polar Alignment qui est dans la raquette Sincan. Et là, à ce moment-là, tu vas voir du coup sur comment faire une mise en station sans viseur polaire chez moi. Et tu verras, franchement, c'est même plus précis. Parce que qui te dit que ton viseur polaire, tu l'auras bien réglé. Enfin, Pascal, bah, si, quand je tourne la monture et donc que je fais pointer donc un poteau ou quelque ou une antenne loin à l'horizon, voilà, la croix elle tourne mais l'antenne elle bouge pas. Non non, c'est réglé aux petits oignons. Et en plus j'ai réglé donc la perpendicularité. C'est en fait voilà, la monture est bien, enfin voilà, le contrepoids est bien. Dans la position idéale quand voilà. Il y a Laurent qui nous dit m'en fous, je préfère le ciel visible. Bah ouais, en même temps c'est un peu comme tout le monde. Jean-Pierre qui nous rejoint, bonsoir les astros, j'arrive en retard, je profitais d'une belle éclaircie pour tenter mes premières images de la nébuleuse d'Orion, je fais mes darks en ce moment. Bah, t'as bien de la chance. J. Marie, salut, tu es de Béthune? Non, je suis d'Alsace. Et Darius est de la région lyonnaise. Voilà, de Vénissieux, la troisième ville de l'agglomération lyonnaise. En été, on peut faire de l'astrophoto en maillot de bain. C'est sympa pour la voisine. Ouais, si c'est la voisine qui fait de l'astrophoto, ouais, pourquoi pas. Bon, après... Alors, tout à l'heure, je parlais de composition. Donc ici, on a la nébuleuse de l'étoile flamboyante. Ici, on a la nébuleuse du Tétard. Ici, on a l'araignée. Ici, on a la mouche. Ici, on a M36. Ici, on a M38. Et ici, on a NGC... NGC combien? 1907. Il y a du monde, hein? Donc là, voilà, sur une photo comme ça, boum, cadeau, on a, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cibles. C'est pas mal, hein? Ça commence à être pas mal, effectivement. Et là, voilà, on est juste sur une photo. Voilà. Donc là, on voit que l'étoile flamboyante, c'est énorme. Ici, au niveau du tétard, bah, c'est pas mal aussi. La petite araignée, on la voit. Donc voilà, donc à 100%, on voit que l'image, elle est bien bruitée. Mais moyennant quelques pauses, il y a moyen de sortir. Donc ici, on a la petite mouche. Et ici, on a l'araignée qui veut la bouffer. Bah c'est sympa le champ là quand même, purée, j'ai jamais pensé à celui-ci. Mais là, voilà, t'as quand même 1, 2, 3, regarde, il y a encore une nébulosité ici. On voit un petit voile. Donc là, donc, voilà, enfin, donc là bon, ici, alors si j'en tournais un petit peu la caméra, pour avoir voilà, un autre cadrage, ça ferait une photo de folie. Parce que là, voilà, si je ramenais ça un peu plus par là, celle-là un peu plus par là, et puis en faisant bah voilà, en empilant suffisamment de poses, là on peut faire vraiment une photo bah, magnifique, avec bah, voilà, des objets qui grouillent en pagaille dans tous les sens. Là, on a Daniel Kera qui nous a rejoint également. Hello les astropros. Novice, un voisin m'a refilé une petite lunette Vivitar 80-400 mm FD5. C'est un tel objectif, ça, non? Ça, il me semble que c'est un téléobjectif Vivitar. Ça me dit quelque chose, mais je ne savais pas que c'était des lunettes. Moi, ça me dit rien. Alors, donc, voilà. Faire quelque chose avec, bah, faut voir, faut que tu essayes. Honnêtement, je connais pas. Alors, petit sondage, donc j'image ça en le cadrant un peu, un poil un peu mieux, où on s'en tient au programme que j'avais prévu initialement, c'est-à-dire voilà, on fait un petit saut du côté d'Orion, et après on image la Rosette. Bon, comme tu le sens, hein, c'est toi le chef. Hein. Allez, la Rosette vient tout juste de franchir le méridien, ça me paraît pas mal. Donc là, on va faire... Allez, go alors. Allez, hop. Télescope... Je sais pas si vous entendez, moi je l'entends cuiner. Non, j'entends rien. Là j'ai ouvert. Ah, elle a fini de pointer. Hop. Alors... Elle est tombée là. Non, là j'ai fermé le. Et donc pour résoudre le trapèze, il va falloir de la pause courte. Et pour de la pause très courte, il va falloir pousser le gain. Donc, elle n'est pas super bien centrée. Bon, je vais déjà pour améliorer un peu les pointages. Daniel Carrard, ton truc là, il me chiffonne. Si tu as Facebook, je te propose de le mettre sur le groupe de Darius. J'aille voir parce que... Mets une photo. Mais Vivitar, je connais juste de nom parce que j'ai un téléobjectif Vivitar, honnêtement, c'est pas terrible. Mais bon, après, tu peux quand même faire tes armes avec. Hein. Que pensez-vous du pôle master pour la mise en station? Bah, honnêtement, moi, je peux dire une chose, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Pour le réglage du VP sur YouTube, allez sur la vidéo How to All in Polar Finder Scope, c'est super simple. Ouais, mais là, pour le coup, Jean-Claude, c'est en français, c'est un petit jeune qui marche super bien, il fait plein de petits trucs cool. Je pense que ça peut être aussi l'idée, quoi. Cosmonaute fantôme. Attends, je vais essayer d'aller chercher le lien. Télescope, synchronisé. Voilà, donc là, je suis sur M42. Tac, cosmonaute. Je vais aller chercher la vidéo. Je me permets, hein. Ouais, vas-y, pas de souci. Oh, mais qu'est-ce qu'il me fait, celui-là? Viseur polaire. Voilà. Tac. Ça. Partager. Copier le lien. Hop. Bon, donc on voit que au niveau du signe, c'est pas top. Non, c'est vraiment pourri même. Voilà, on voit que ça gigote. Et voilà. Ça, c'est pour le réglage du viseur polaire. Un petit beau soir du Québec de la part d'Astrofan. Cool. Donc là, on voit bien le cœur vert, avec du rouge sur les côtés, et puis après, au fur et à mesure qu'on augmente les temps de pause. Donc voilà, là aujourd'hui, le signe, il est bof. Voilà, d'une pause à l'autre. Donc ce sera pas pour ce soir le cœur de M42. Et donc là, si je réinitialise... Donc voilà la nébuleuse d'Orion à 100%. Allez, là on aura une pause de 16 secondes. Et on verra qu'il y a du monde. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a du peuple, hein. Donc là, forcément, le cœur est complètement cramé. Logique. Ah, mais attends, ta caméra en plus, elle n'est pas refroidie, la 180 points. Si, c'est la Pro, la MC Pro. Ah, c'est la MC Pro. Si, ouais. Je suis à -20 là. Mais bon, donc voilà. Oh, t'es un peu gourmand quand même sur le refroidissement. Hein. Non, -20 degrés sous la température ambiante ou -20 degrés en tout? Non, non, moins 20 degrés en absolu. Et là, en ce moment, chez moi, il doit faire 5 degrés. Mais c'est une caméra qui descend à moins 40. Donc là, tu vois, je suis à moins 25. Le couleur, il est à 52%. On le voit ici en bas. Donc à 52%, il force pas trop. Non, je suis d'accord. Mais par contre, fais gaffe parce que si ton amplitude entre l'extérieur et ta caméra est trop importante, tu risques d'avoir au fur et à mesure de la soirée, tu risques d'avoir un espèce de halo qui va se former au milieu. C'est de la condensation. J'ai la même chose avec la 294. C'est normal, hein, tu en auras obligatoirement si tu as un delta trop important. Hein. Ouais, bon, jusqu'à présent, je n'en ai jamais eu. L'optique de la Vivitar équivaut à leur jumelle qu'ils vendaient il y a quelques années. Ah oui, ils faisaient des jumelles aussi et qui n'étaient pas bien réputées, mais ça n'empêche pas d'observer en planétaire. Voilà, donc ici on a l'homme qui court en couleur. Bon, allez, je vais faire juste un tout petit... Bon, de toute façon, voilà, vous avez juste à regarder l'autre live et on avait la nébuleuse d'Orion en couleur avec des pauses de 3 minutes. Donc là, on voit l'image qui est telle qu'elle, arrivée du capteur. Et dans le live, dans le dernier live, vous l'avez en stacké et on voit quand même la différence. Donc, je me remets, voilà. Alors là, si on regarde, donc la nébuleuse de Méran, la nébuleuse d'Orion, plus la nébuleuse de l'homme qui court, tout ça, c'est plus petit que la nébuleuse californienne. Joli ton Orion, hein. Sympa ta petite M42. Allez, on va faire juste pour le fun un tout petit stack de 5 images, histoire d'avoir une image un peu moins bruitée. Mmh. Voilà, 16 secondes, 5 images, ça va aller vite. Et après, voilà, on va terminer sur la Rosette. Voilà, donc voilà ce qui arrive sur le capteur. Donc une image pas jolie. Hop. Et bon, on voit quand même, voilà, avec juste 16 secondes de pause, on a la boucle qui fait le tour. On a l'homme qui court qui se dessine un petit peu. J'ai jamais couru. L'homme qui court. C'est The Running Man Nebula. Et si tu regardes dans Wikipédia, la traduction c'est l'homme qui court. Ah bon, sur une caméra astro, il faut monter le filtre SHC directement sur la caméra ou au bout du tube à longe de la caméra. SHC, c'est quoi SHC? C'est le méthane. Donc là, c'est un filtre planétaire. Ah oui. Ah, c'est celui-là. Ouais, tu l'utilises pour le planétaire, celui-ci. Tu l'utilises pas en ciel profond. Donc ça, enfin, c'est le filtre. Ce filtre-là, il marche pratiquement que sur Jupiter. Ouais, bon, Saturne aussi, dans l'absolu. Mais bon, il a été fait avant tout pour Jupiter. Donc là, on a déjà 6 pauses. Et regardez la différence de l'image. C'est quand même autre chose que tout à l'heure en pause unitaire. Et on a déjà une image qui est propre. Bon, elle n'est pas encore propre, mais... Et j'avais même pas mis l'autoguidage. Bah oui, là, il n'est pas content puisqu'il était tout à l'heure sur l'autre cible. Donc je l'arrête, je le rafraîchis. Allez, il s'est choisi une étoile, hop. Archibald nous dit je préfère Johnny Walker. Qui est... Voilà, donc là déjà, rien que comme ça. Donc on a les deux jambes, les deux bras, la tête. Donc voilà, les jambes elles sont là. Donc on va dire que le sol est là. Donc ce qu'il faudrait c'est tourner l'image Voilà, enfin voilà, il a la tête ici et les jambes ici en l'air. Donc il faudrait le retourner. Et là, on verrait un peu mieux ce Running Man. Ouais, avec des pauses de 16 secondes, il ne faut pas longtemps pour avoir du signal. Et on voit bien les aigrettes du Samyang. Ouais, histoire d'avoir une photo un peu plus... Alors, je viens d'avoir... Alors, apparemment, c'est un filtre un peu particulier. Et mais par contre, il est pas forcément utilisé par les plus grands, ce filtre SHC, apparemment. Ah, UHC, je préfère. Alors, ouais, parce que SHC, je me suis dit... j'ai vu... C'est pas le SHC, le méthane. C'est le filtre... Ah, mince. C'est un filtre méthane. Mais UHC, oui, c'est la pollution lumineuse. Et le filtre Ultra UHC, High Contrast. Oui, le UHC, oui, celui-là, oui, c'est un truc pour déjà supprimer la pollution lumineuse et pour augmenter le contraste sur les objets type nébuleux. Là, pour le coup, c'est soit tu le mets... tu peux le mettre... Le mieux, c'est de le mettre directement sur ta caméra. Hein. Bah, plus il est proche du capteur et moins on a de chance d'avoir du vignettage. Après, ça dépend de la taille du capteur et de la taille du filtre. S'il est en 1 pouce ou 2 pouces, enfin 1 pouce, 1 quart ou 2 pouces, et puis voilà. Après, voilà, sur une ASI 120 mini, bon, peu importe où on le place, il ne va pas gêner. Donc, par contre, sur une 2600 qui a un capteur plein format, là, on a intérêt à mettre le filtre au plus près du capteur pour réduire le vignettage. Bon, bah voilà, là on a déjà 20 pauses. Et donc... c'est ça, c'est CH4. C'est CH4 le méthane. Bon, voilà, le C pour le carbone, le H pour l'hydrogène. Et le 4 pour le 4. Pour dire qu'il y a 4 hydrogènes pour un carbone. Puisque le carbone a 4 liaisons de covalence. Bon, bah voilà. Donc on a voilà, une Orion qui, voilà, vite fait, qui se laisse regarder. Elle est jolie. Donc voilà, là on a un petit peu de bleu vert. Là le cœur est cramé, mais il n'aurait pas été cramé, on aurait eu voilà, pas mal de vert dans cette région-là. Après il y a pas mal de rouge ici et au niveau de la nébuleuse de Méron. Et l'homme qui court qui est tout bleu. Donc ça fait voilà, une belle photo avec bah, plein de couleurs, bah, du vert, du bleu, du rouge. Là, la balance des blancs a été réglée un peu mieux. Donc là, ici, on voit bien que... Alors, si je le mets comme ça, voilà. Donc là, on voit bien que le décalage entre le bleu et le rouge. Mais ça, en traitement... Enfin, pour ce traitement, ça s'arrange sans problème. Et même dans SharpCap... Enfin, voilà. Bah, tiens, d'ailleurs... Bah, tiens. Oui, voilà. J'ai oublié de le faire tout à l'heure. Alors, je vais faire une petite sauvegarde. Et hop, je vais l'ouvrir. Voilà. Hein, elle n'est pas chouette la photo. Donc ce qui est bien, c'est que les outils de ASI, ils corrigent la balance des blancs. Et donc là du coup, bon voilà, donc là on voit bien qu'il y a un petit peu de vignettage, mais là la balance des blancs, elle est correcte. Et donc avec 20 pauses, bah voilà ce qu'on a. Et en plein écran. Donc là, voilà, c'est... Allez, on va le stretcher encore. Oh, c'est joli. C'est joli, po. Voilà, donc ça c'est l'une des cibles de ce soir, en cours de prise de vue. Et bah, tant qu'à faire, je vais ouvrir, donc on est le 3. Donc voilà la petite impression d'écran que j'avais fait juste avant le live où on voit bah, ce truc là. Et donc là c'est là c'était voilà avant le live, c'était pour voilà le débit que j'ai avec la 4G. T'as combien là? Bah, là maintenant ça marche mieux, mais voilà, je voulais lancer le live à 20h et à 20h voilà j'avais bah, tu vois 789 mégabits en réception et 740 ah non enfin 0 voilà donc c'est des kilobits. 740 kilobits en émission et 789 kilobits en réception. Donc 0, voilà, j'avais 0,8 mégas de bande passante. Alors on va faire un live avec ça. Mais moi, c'est ce que j'ai. Hein. Non, en général, avec la 4G, là, je tourne aux alentours moi, de 20 mégas, 20 à 30 mégas. Voilà. Maintenant, j'ai mis un modulateur Wi-Fi, en fait, qui capte plus loin les antennes. Mmh. Quand j'utilise le téléphone, je tourne aux alentours de 20 mégas parce que les antennes relais, enfin, elle ne va pas capter aussi bien que le modulateur. Là, j'ai un gros module à antenne. Et maintenant, je tourne aux alentours de 300 mégas avec l'antenne qui est au plus proche de chez moi. Voilà, ça fait bien. Mais j'ai la fibre qui arrive, ça y est. Elle sera là normalement dans 3 mois. Et je suis très content. J'en ai marre. Voilà, et moi en 4G, depuis l'agglomération lyonnaise, j'ai même pas un méga de bande passante par moment. Ouais, ça c'est abusé quand même. Parce que moi j'ai même la 4G+, quoi. C'est lamentable. On se croirait dans les années 80. Et en débit sur ta box, t'as combien? T'as regardé? Alors sur la box, on parle même pas. Donc, parce que j'en ai pas. Voilà. Une petite, si, j'en ai une. Donc une petite pub pour Red SFR. Donc grâce à l'ADSL de Red SFR, j'ai un débit qui varie entre 400 et 500 kilobits. T'es voilà, sérieux? J'ai 0,5 mégas. Quand je télécharge une vidéo, mes vidéos, je les fous sur YouTube par la 4G parce que on a ADSL. Pour mettre une vidéo en ligne, ça prend une nuit. Non, mais c'est miné. Mais, hey, tu rigoles, mais moi, avec 2 mégas, c'est pas une nuit, c'est 2 jours. Donc, et je suis à 2 mégas sur ma box. Hein. Ce qui n'est pas ouais, mal. C'est parce que tu ne compresses pas tes vidéos, alors voilà, que moi, je les compresse avant de les envoyer. Mmh. Puisque vu que YouTube fait déjà une compression. Et bah, au lieu de me taper voilà, une double compression, bah, je le fais, voilà, j'envoie déjà compressé. Et du coup, la mise en ligne se fait bah, beaucoup plus rapidement. À mon avis, vaut mieux que tu changes de SFR. Hein, bah, plutôt, tu me donnes ton adresse, je te dis où il faut aller. Sur ce, je vous laisse, nous dit Archibald. J'ai les yeux qui se remplissent de dodo. Oh, c'est si joli quand tu dis ça, Archibald. Ah, puis c'est vrai que voilà, il est déjà 23h, donc j'arrête de stacker l'Orion. Parce que de la nébus d'Orion, je l'ai fait et refait. Donc c'est voilà. Et on va passer sur la Rosette. Alors, donc là, juste l'histoire de voir ce qu'on a en ce moment. Bah voilà, donc l'image, ouais, 42 poses. Allez, la 43e arrive. Donc là, si on regarde, bah, c'est presque propre. Ouais, c'est presque, voilà, bon, hormis le fait que c'est complètement cramé. Mais voilà, on a quand même une image qui est jolie. Voilà, il y a plein de petites volutes. Et donc, si je l'ouvre en corrigeant la balance des blancs. Alors, pour la petite histoire, ce soir, j'ai quelqu'un qui m'a... Je suis en même temps, je regarde le chat et puis je suis en train de papoter avec un gars qui a eu un problème. Il a une HEQ5 avec un 200 000. Bon, je pense que partout en France, il a énormément plu ces derniers jours. Hein. Donc, je pense que tout le monde est au courant. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il me dit, mais je comprends pas, ma HEQ5, elle tourne pas, ça marche pas, j'ai plus d'un degré en azimut, je comprends pas, ça ne peut pas marcher même avec ta technique sans viseur polaire et tout. Je lui dis, ouais, mais attends, tu fais sur quoi et tout, c'est peut-être ta batterie au départ. Et finalement, en fait, c'était pas sa batterie. Il n'avait pas remarqué qu'il avait son trépied qui s'était enfoncé d'au moins... ouais, ben voilà. Il s'est enfoncé son trépied d'au moins 5 cm dans la terre. Bah oui, bah forcément. Bon, donc voilà la petite Orion avec le Running Man, et on voit bien que voilà, il y a du bleu là. Donc du bleu, là il y a des zones avec pas mal d'oxygène, donc ça tire un petit peu sur le vert. Et beaucoup de rouge, d'hydrogène. Donc voilà une photo sympa. Alors, donc du coup, je vais arrêter l'autoguidage. Avant, je vais quand même enregistrer la petite pause. Et puis, voilà l'histoire qu'on voit. Voilà, 50 pauses, ça commence déjà à faire. Donc voilà la petite Orion d'aujourd'hui. Et donc j'enregistre et j'arrête. Hop. Donc un petit coup en 16 bits pour avoir une image instantanée rapide. Et un petit coup en 32 bits pour pouvoir la retoucher un peu mieux. Voilà, la dernière pause est arrivée, donc j'arrête le stacking, j'arrête l'autoguidage et on va faire la dernière cible de la soirée, la magnifique Rosette. Allez, si vous avez des questions, profitez que je suis là, hein. Je vais pas rester longtemps non plus, moi. Je vais pas tarder. Ouais, moi à ce temps-là, je devrais être déjà couché. Parce que donc sur Lyon, voilà, donc de 7h du matin jusqu'à 9h du matin, le matin, c'est bouchonné. Et pareil le soir. Donc, et donc là, je suis... T'as Daniel qui t'a fait un don de 5 €. Merci beaucoup. Merci à toi, Daniel. Mais on ne peut pas partager. Et je lui laisse volontiers. Ouais, du coup, merci. Et donc voilà, donc je disais que voilà, du coup je suis obligé de partir à 6h de chez moi pour éviter les bouchons. Parce que donc voilà, c'est à un quart d'heure près, c'est du simple au double. Donc demain, debout à 5h30. Mais bon, là, alors, je remets donc le stack sur voilà, la Rosette. Donc j'efface, hop, donc voilà la Rosette telle qu'on la voit dans un télescope. Alors on voit le magnifique amas ouvert, mais c'est tout. Voilà, donc la Rosette dans un télescope, ça donne ça. Donc elle est là, bien cachée. Et dans un télescope, on voit juste l'amas qui est là. Et maintenant, on va mettre une vraie pause. Ouais, pour que ça aille vite, du coup. Il n'y a pas trop de dynamique. Donc je vais rester sur ce gain-là. Alors, question de Philippe Leca. Est-il vrai que le dithering permet de se passer de dark? Faux. Il faut toujours des images de calibration. Parce que le bruit de ton capteur aura finalement toujours raison de toi. Donc, le dithering, en fait, ça va être pour éviter... Les pixels chauds. Pour... Ouais, ouais, mais alors attention, quand tu fais du dithering, si tu fais pas le dithering, tu risques d'avoir une espèce de trame par rapport au suivi, justement, une espèce de trame de pixels soit plus clair s'il y a les darks, soit de pixels chauds s'il n'y a pas de dark. Mais ça fait des trames et c'est pas très esthétique. Après, tout dépend des capteurs. Certains en ont moins que d'autres. Bon, après, ça dépend, comme je dis. Hein. Mais voilà, non, vaut mieux faire les deux. Hein. C'est ce qu'il y a de mieux. Moi, je fais toujours les deux. Si vous utilisez PhD, vous avez PhD Max qui marche super bien. Si vous utilisez Nina, bon, là, il y a tout dessus. Nina, franchement, c'est le paradise. Si vous utilisez Prism, pareil. Hein. Et que penses-tu de la petite 72 ED? Bah, c'est une super petite lunette. Je ferai un truc à l'occasion avec cette lunette parce que franchement, si vous prenez ça à une EQ32, franchement, c'est top du top. Ah, il y a Tof Astro et Astronoob, l'astrophoto pour les noobs qui nous a rejoint également. Coucou à vous. Salut tout le monde. Et concernant donc PhD, il y a la nouvelle version qui est encore en mode bêta. Et voilà, donc aujourd'hui on connaît PhD tel qu'on voit ici à l'écran avec l'autoguidage sur une seule étoile. Sauf que quand il y a donc de la turbulence, les étoiles elles gigotent dans tous les sens. Et donc du coup, le suivi n'est pas terrible. Et donc du coup, si on pouvait faire l'autoguidage sur une dizaine d'étoiles, du coup ça moyennerait les erreurs. Et on aurait un suivi beaucoup plus précis. Et donc la nouvelle version bêta de PhD Guiding, donc c'est pas celle-là mais une autre, elle justement, elle intègre cette fonctionnalité. Donc c'est dans le monde de l'autoguidage, ça va être une révolution, puisque donc voilà, jusqu'à présent, personne ne faisait de l'autoguidage sur plusieurs étoiles. Et aujourd'hui, c'est déjà possible. Ouais, tu as la possibilité de le faire maintenant, le multistar sur PhD, si tu as la dernière version. Hein. C'est ça, c'est ce que je dis. Voilà, elle est en version bêta, c'est pas encore une version stable, mais ça y est, c'est sorti, ça existe. Donc, le contrôle que Darius fait, c'est avec l'Azir Pro, sinon quel programme informatique serait nécessaire? Quel contrôle? Alors en fait, c'est SharpCap qui récupère les images de la caméra ASI. Alors, pour le coup, maintenant, il existe mieux, enfin, pour les montures Skywatcher, hein, je parle. Hein. Attends, tu sais quoi? Je suis en train de me tâter, là, d'un truc. Oups, la première page. Ah, on va peut-être en faire un, là, parce que je voulais faire un truc, là, les prochains jours. Mais je vais vous montrer qu'en fait, il y a mieux que QMode, maintenant. Quand on utilise une monture Skywatcher, c'est juste excellent. Avec carte du ciel, ça marche extrêmement bien. Et c'est super précis en plus, c'est ça qui est ouf. Et donc c'est quoi? Pour utiliser ta monture avec un câble USB, mais directement sur une monture Skywatcher avec carte du ciel. Et c'est super facile. C'est super, super facile. Carte du ciel, t'as Stellarium. Moi, franchement, j'aime beaucoup Stellarium parce qu'esthétiquement, il est super beau. Ouais. On fera un truc, un C4 chez moi, vous verrez, je vous montrerai. Donc en parlant de Stellarium, donc évidemment Stellarium, voilà le petit icône, donc je l'ai. Et d'ailleurs, donc voilà, la vieille version avait besoin du Stellarium Scope, et la nouvelle version de Stellarium, elle se passe de ce add-on. Donc en fait, maintenant, en natif, il permet de piloter les montures. Alors qu'avant, il fallait installer... il faut quand même les drivers. Hein. Les drivers, mais on n'a pas besoin... Mais là, donc en fait, on a besoin des drivers et de cet add-on, le Stellarium Scope, sur les anciennes versions. Alors que là, au moins, l'équivalent du Stellarium Scope est intégré dans Stellarium. Il y a Laurent qui nous dit GS Server. Ouais, GS Server, il est bien aussi. Mais en fait, non, c'est tout simplement quand on achète une monture Skywatcher, si on prend un câble, genre un câble d'imprimante, un câble USB, je crois que c'est USB-B, il me semble, les câbles d'imprimante, et qu'on le branche directement sur les raquettes V5, donc on met en PC Direct Mode et on se retrouve avec l'application SynScan, donc pour faire le Polar Alignment et tout le bordel, ça marche super bien. Et une fois que ça c'est fait, on connecte Stellarium directement et ça marche tip top. Franchement, ça marche trop bien. J'ai fait des tests avec. Vous verrez le truc là prochainement. Là, quand il fera beau, on fera un direct chez OM. Vous allez voir le bousin que je vais sortir. Vous n'allez rien comprendre. J'ai même maintenant un chercheur numérique. Bah, d'ailleurs, Pascal Lefebvre et tous ceux qui sont abonnés au Bricolot en Herbe sur bah, Laurent, Pascal qui sont abonnés chez moi, le Bricolot en Herbe, ils l'ont vu. C'est une usine à gaz maintenant, mon 200-800. Hein. Mais GS Server, effectivement, il marche super bien aussi. Ouais. Mm. Bon, tout à l'heure, le stacking pour la Rosette n'a pas marché parce que j'étais sur des probablement trop de temps de pause. Donc là, j'ai réduit un peu le temps de pause et un peu le gain. Et donc, on verra la prochaine pause si c'est bien réglé. Et là, je pourrais lancer le stacking. Bon, par contre, moi, les enfants, je vais vous laisser. J'ai pas mal de choses à faire. Ouais. Bah, de rien, c'était un plaisir. Il faut que tu passes toi aussi à l'occasion, hein, parce que voilà. Bon, faut savoir que maintenant, je fais soit des directs sur YouTube, soit sur Twitch. Sur Twitch, parce que ouais. J'ai remarqué que sur Twitch, ça marche super bien. C'est juste excellent, quoi. Alors moi, vu que je me lève à 5h en temps normal, voilà, je me couche comme les poules à 21h30 pour avoir mes 8 heures de sommeil. Plus de temps de s'endormir et tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que bah, depuis qu'il y a le confinement à 18h, voilà, je vis un petit peu en décalé. Donc un astronome qui se lève en même temps que le boulanger, c'est du jamais vu. C'est ça. C'est un peu le monde à l'envers. Donc là, voilà, sur une pause courte. Donc là, c'est pas encore la pause de 2 minutes qui va arriver. Bon, allez, je vous abandonne. Attends, juste l'explorateur qui dit au niveau de l'équateur, tu fais comment ta mise en station avec la polaire ou la croix du sud? Déjà, tu fais pas la croix du sud, tu prends l'octan hein, quand tu es dans l'hémisphère sud. L'octan, c'est celle qui est la mieux placée pour faire la mise en station. Tu la retrouves d'ailleurs dans quasiment tous les viseurs polaires. Ouais. Et du coup, ben, c'est compliqué de faire une mise en station quand tu es sur l'équateur. En général, t'en fais pas. Donc, voilà. Allez, bon, sur ce. Ciao, ciao à tous et merci à plus. Nico. Hein à plus. Ouais. Allez, salut, salut. Ciao. Donc, voilà la Rosette avec 2 minutes de pause. Donc, une image brute. Avec du bruit dans tous les sens. Et donc là, je vais lancer le stacking. Oh. Voilà, donc là pour l'instant, comme je ne sais pas, hop. Donc on aura une première image dans un peu moins de 2 minutes. Et après, dès qu'il aura commencé à stacker, l'image va progressivement s'améliorer. Et quoi qu'il en soit, pour ceux qui me rejoignent, alors voilà alors, juste avant le live, voilà, j'ai eu ça. Donc ici, on voit la nébuleuse California, et donc ici, on la voit un peu mieux. Voilà. Donc la nébuleuse California, et juste après la California, j'avais fait, voilà, à la va-vite, un peu de stacking sur la nébuleuse d'Orion. Alors voilà, donc j'avais poussé le gain pour faire sortir la nébulosité qui est là et puis bah, l'homme qui court, et donc du coup bah, le cœur, bah, vu la faible dynamique de la caméra, bah, le cœur est complètement cramé, mais voilà, donc ça peut servir de base pour une photo. Donc en fait, il suffit de refaire la même photo avec une exposition beaucoup plus courte pour faire bah, cette fois-ci pour résoudre ici cette zone où il y a le trapèze, et après bah, faire un montage HDR. Donc HDR, c'est High Dynamic Range. Donc voilà, une image à haute dynamique. Et donc, bon alors, il refuse de stacker la Rosette. Je ne sais pas pourquoi. Il veut pas, c'est pas grave. Et ben, je le ferai pas en stacking, mais en direct. Et tant qu'à faire, comme sur la l'histoire d'être sûr d'avoir vraiment du signal. Alors pour ne pas avoir à faire 50 d'arc, je vais regarder ce que j'ai utilisé pour la première cible de la soirée. Voilà. Donc j'étais avec un gain de 100 et 150 secondes. Donc je vais rajouter un peu plus de secondes et un peu moins de gain. Donc voilà, petit rappel, si on regarde la nébuleuse de la Rosette dans un télescope, on voit que ça. Et dès qu'on tire sur l'histogramme, eh ben, on a la nébuleuse de Rosette qui apparaît. Alors, je vais lancer les acquisitions et du coup, bah, un de ces quatre, je ferai une vidéo de, voilà, où je traiterai cette nébuleuse. Mais quoi qu'il en soit, voilà, là, on la voit bien. T'assombrir un peu plus le fond. Voilà, donc toute cette zone rouge, voilà, on voit bien. Donc, ça ressemble un petit peu à des pétales. Il y en a une ici, une là, et du coup, c'est ça qui fait penser à une rose. Donc, je lance. Voilà, donc là, ça on va enregistrer les images, parce que je ne sais pas pourquoi, mais il refuse de les stacker. Et voilà ce qui arrive sur le capteur. Donc, et donc de là à là, c'est la pollution lumineuse. Mais on a la chance que la Lune n'est pas encore levée. Et même sur des poses unitaires non stackées, bon, on a quand même, voilà, on voit bien la Rosette. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à partir, je vais regarder l'heure qu'il est. Et donc, pour ceux que, voilà, il y aura la rediffusion dès demain. Donc voilà. Ah, vous êtes encore 71. 67. Ok. Bon. Donc là, quand j'aurai plusieurs pauses, bah, du coup, voilà, vu qu'il ne fait pas le stacking en live, eh bien, je vais pouvoir le faire en différé. Ce sera l'occasion de voir quelque chose de nouveau pendant un live. Alors, dans la playlist... Alors, il y a la playlist... Voilà, l'astrophoto à l'APN. Alors, évidemment, donc, ça commence tranquillement par le choix des trépieds. Mais si... on ouvre la playlist, ben voilà, il y a le trépied, puis l'appareil photo, puis les objectifs, puis l'intervalomètre. Et après, ben voilà, il y a toute une série de vidéos sur les darks et les offsets, les flats, le stacking. Et donc du coup, ben, dedans, on voit DSS. Et donc DSS, c'est ce que je vais pouvoir lancer maintenant. donc ici dans ce répertoire là, alors pour l'instant j'ai qu'une seule pause, voilà, et il y a la deuxième qui va arriver dans pas longtemps, et dès qu'il y aura suffisamment de pauses, eh bien, je pourrais commencer à les stacker avec DSS. Et voilà donc une Orion à la va-vite. Et une cible beaucoup plus difficile, la nébuleuse California. Donc ce qui est remarquable sur cette photo, c'est que voilà, ça a été fait depuis l'agglomération lyonnaise. Ça c'est le genre de choses où on chasse plutôt en campagne ou en montagne, avec un ciel bien noir. Pas avec un ciel, voilà. Alors lors des précédents lives, je me plaignais que j'avais une quinzaine d'étoiles. Ce soir, c'est une nuit assez exceptionnelle, et donc avant le live, j'ai fait le décompte des étoiles que je voyais à l'œil nu. En général, c'est assez vite fait, et c'est la première fois depuis un an où j'ai réussi à compter 53 étoiles. Donc voilà, j'ai un ciel aujourd'hui qui, si on se fie au nombre d'étoiles, est 3 fois meilleur que ce que j'ai d'habitude. Et c'est voilà, il n'y a pas que le fait que la Lune ne soit pas là. Donc ça joue un peu, mais voilà, a priori, il n'y a pas trop d'humidité dans l'air, donc ça diffuse moins la pollution lumineuse. Et du coup, bah voilà, j'ai un ciel comme jamais, malgré le fait que je sois confiné comme tout le monde à la maison. Et donc le matériel est dehors sur la terrasse. Alors là, on a 2 pauses. Donc avec 2 pauses, on peut déjà lancer DSS et lui faire empiler. Alors il y a le module live stacking. Image empilée. Dernière image. Paramètres. Je l'ai encore jamais utilisé, mais normalement alors, je vois pas, cliquez ici pour sélectionner le répertoire à surveiller, voilà, impeccable. Donc, toc, toc, ZWO, en date d'aujourd'hui, on va prendre ce répertoire-là. Vous avez 2 images dans le répertoire surveillé, vous voulez travailler, bah oui. Et ben voilà. Voilà, empiler 2, enregistrer 3, empiler 3. Alors maintenant, on va jouer avec l'histogramme. Ok, hop, 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 voilà. Alors, 3 empilés. On va regarder. Toc, toc, toc. Voilà. Donc, au fur et à mesure que les images vont arriver, voilà, ça, je l'avais jamais utilisé. Donc, comme on peut voir, c'est extrêmement simple. On sélectionne le répertoire de travail, on lance sur le triangle pour dire surveiller. Ici, empiler. Alors, petite parenthèse, il n'y a pas de dark, il n'y a pas de flat, mais normalement, j'imagine que quelque part, il y a moyen de les rajouter. Mais quoi qu'il en soit, voilà, là, on a déjà le stacking qui se fait. Alors, eh bien, on est sur le point d'avoir la 4e image. Boum. Là, on voit la barre de progression. Il est en train de travailler. Donc, 4 images enregistrées et 4 images empilées. Et je suis à peu près certain que ça marche beaucoup mieux que le live stacking sous SharpCap. Non pas que le live stacking de SharpCap soit mal fait, mais en général, pour être sûr que ça stack, au niveau des paramètres d'empilement, je ne suis pas très exigeant. Et du coup, il empile tant bien que mal. Alors que là, on a voilà, un vrai empilement avec l'alignement correct sur beaucoup plus d'étoiles que dans SharpCap. Parce que dans SharpCap, je dois empiler sur, enfin voilà, faire l'alignement sur une dizaine d'étoiles, pas plus. Alors que là, il y a des centaines d'étoiles et ils utilisent voilà, plusieurs centaines d'étoiles pour aligner. Et par exemple, là, si on regarde, alors c'est encore timide parce qu'on n'a pas beaucoup de signal, c'est un peu noyé dans le bruit, mais par exemple cette structure très fine, elle commence déjà à se détailler, enfin à se dessiner, et comme on voit les étoiles sont quand même relativement propres, alors que ça fait quand même 23 heures, donc 3, ouais, ça fait 3 bonnes heures que j'ai pas fait la mise au point. Donc voilà, il a dû, voilà, la température a chuté, donc il a dû, le Samyang, comme il est fait en métal, donc avec le froid, il s'est un petit peu réfracté, et donc ce qui a changé un peu la mise au point. Mais on a quand même, voilà, des étoiles qui sont relativement petites, fines, et on a une image qui va devenir sympa. Donc là on est ici, on voit 4 images enregistrées et 4 images empilées. Et la 5e, bah voilà, hop, il est en train de faire ses petits traitements. Donc là on a 5 images, 12 minutes 30. Et à chaque empilement, l'image s'affine un petit peu. Alors ici, j'ai pas ce qu'il faut pour triturer la balance des blancs. Mais tout à l'heure, quand j'aurai suffisamment de pauses, je pourrais l'enregistrer et l'afficher avec l'autre utilitaire, le AsiFitView, qui lui, voilà, il fait la balance des blancs automatiquement. Et donc du coup, ça permet d'avoir des images quand même qui sont pas vilaines. Donc quoi qu'il en soit, voilà, vous voyez bien que quand il y a un logiciel qui ne marche pas, du coup, il y a toujours moyen de s'en sortir autrement. Donc là, le DSS Live Stack, donc Deep Sky Stacker Live, je ne l'avais jamais utilisé. Et là, On sélectionne le répertoire, on clique sur deux boutons et ça marche. Voilà, quand on ne connaît pas, quand on découvre, au début, il y a énormément de choses à savoir sur l'astronomie, l'autoguidage, les différents outils. Mais avec le temps, une fois qu'on maîtrise les bases de l'astronomie et de l'astrophotographie, au final, il n'y a rien de compliqué. Alors, Astrofan, donc du Québec, petite question. Au devant de ta lentille, celle qu'on pourrait mettre devant ta caméra, quel filtre utilises-tu? Alors, c'est bien le filtre, à part le filtre UV. Ouais, donc devant le Samyang 135, j'ai un filtre. J'ai DSS qui a planté. C'est pas grave, on va recommencer. Donc, on est dans le bon répertoire. Je lui dis de surveiller. Voilà, il refait ses petits traitements. Et empiler. Bon, le journal c'est bien joli, mais moi ce que je veux c'est l'image. Donc là on a le genre d'image qu'on verrait dans un télescope. Voici l'image à nouveau stackée. Alors j'ai un filtre optolang à l'entrée de la caméra pour limiter un petit peu la pollution lumineuse, et le filtre qui est en entrée du Samyang, donc c'est juste un filtre UV et on le voit. Alors, donc il y a une belle playlist matériel. Afficher la playlist. Et donc pour le filtre du Samyang, voilà, c'est le Oya UV HD 77 mm. Donc voilà, il y a juste un filtre UV. Et ce qui est en entrée de la caméra, c'est un Optolang L Pro. Et donc c'est lui qui limite un peu la casse de la pollution lumineuse. Outre le fait que ce soir, j'ai un ciel bien meilleur que ce que j'ai habituellement. Et donc DSS, il a encore planté. Alors, entre le flux vidéo pour YouTube, les différents logiciels qui tournent, bah le DSS il a un peu de mal. Alors on va attendre qu'il y ait suffisamment d'images. Et donc là c'est le DSS classique. Donc on date d'aujourd'hui dans le dernier répertoire. Bon, on a déjà pas mal d'images. Du coup, vous verrez comment se fait l'empilement dans ce logiciel. Alors, je coche tout au niveau de... Donc, calculer les décalages. Ça a été rapide. Voilà, entre 600 94 et 723 étoiles. Et donc du coup, je vais lui faire empiler. Et là, je pourrais triturer et équilibrer les blancs. Faire là-bas. Oups, c'est une boulette. Là, j'utilise le processeur et c'est pas une boulette. Parce qu'avec tout ce qui tourne, il... Bon, ok, il a déjà fini l'image. J'espère que ça n'a pas coupé le flux vidéo. Donc voilà la rosette avec la pollution lumineuse. Et donc je vais arranger l'image en live. Hop. Tadam! Voilà la rosette en 2 cuillères à peau. Donc on voit les petites structures ici. Et là, j'ai même pas forcé. Et je vais forcer un peu plus. Voilà, et je vais amener l'histogramme un peu plus par là. Donc on aligne tout par rapport au début de l'histogramme et le rouge qui déborde ici, c'est la rosette. Et donc, appliquer. Alors, si je veux tirer un peu plus sur l'histogramme, assombrir un peu le fond de ciel. Non. Et voilà la rosette. Donc là, si on regarde, on a encore pas mal de bruit, mais l'image commence à devenir à peu près propre. Alors le flux, voilà, je suis à 2 mégas. Donc là, on est rendu à 9 pauses. Donc là, pour l'instant, on ne voit pas de changement puisque c'est toujours les pauses unitaires. Mais une fois que c'est empilé, je vais étirer encore un peu plus l'histogramme. Voilà, là, bon. Voilà, donc il n'y a pas de dark, il n'y a pas de flat, normal il y a du vignettage, mais on a une rosette qui est jolie, donc du rouge, du jaune. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça mérite bien quelques pouces rouges, enfin pouces rouges non, surtout pas, des pouces bleus. Alors, qu'est-ce qui se dit? C'est quand même lourd, ces logiciels. Il faut avoir un bon ordinateur. Ouais. Ouais, le stream, ça bouffe énormément de ressources. Là, mon processeur... je sais pas si vous entendez, mais il y a un petit sifflement et voilà, c'est le PC qui... Ses ventilos tournent à plein fond, enfin à plein régime. Alors, je vais regarder où c'en est au niveau des acquisitions, puisque donc là, il est... Demain matin, ça va être dur. Donc là, c'est la 11e pause qui arrive. Petite parenthèse, donc voilà, des playlists, il y en a aujourd'hui plusieurs dizaines, donc sur les caméras astro, sur les montures, sur le pilotage des montures, il y a une grosse playlist sur le matériel, voilà, il y a quand même pas mal de... Bon, on approche tranquillement des 130 vidéos sur la chaîne, donc ça commence à faire, donc il y a du contenu. Donc n'hésitez pas à vous promener, voilà, soit dans l'onglet vidéo, soit playlist. Si vous voulez avoir des avant-premières, ou voilà, il y a le bouton rejoindre. Bon, ça coûte 2 € par mois, mais bon, voilà, ça permet de visionner les épisodes, enfin les nouveaux épisodes sans la pub. Et puis voilà, d'avoir des avant-premières. Par exemple, dans l'onglet live, si on regarde, voilà, donc cette vidéo là, vous ne l'avez encore jamais vue, mais il manque la vignette, donc voilà, et il y a sur les lives au Samyang, je pense que ces deux lives là, vous ne les avez pas vus non plus. Donc voilà, ils ne sont pas encore en ligne. J'attends le bon moment pour les rediffuser. Donc voilà, du coup ils sortiront sûrement en avance pour ceux qui ont rejoint la chaîne. Donc voilà. Voilà, il y a quand même pas mal de sujets qui ont été abordés. Donc on retrouve des petits coups de couleur pour pouvoir s'y retrouver facilement. Donc, par exemple, tout ce qui est bleu, on voit bien que c'est en rapport avec les comètes. Tout ce qui est sur un fond mauve, c'est en rapport avec les étoiles filantes. Le rouge, c'est les caméras, parce que mes caméras sont rouges. Et parce qu'elles viennent de Chine. Et que donc, bah voilà, le rouge, c'est la couleur préférée des Chinois. Donc voilà, quand les étoiles explosent, bah, ça fait de magnifiques supernovas. Et donc, il fallait une couleur flashy. Donc là, on a 3 épisodes sur fond jaune qui parlent des supernovas. Et le troisième est toujours d'actualité, puisque en fait, il répond à la question où observer, enfin, comment fait-on pour observer des supernovas. Et des supernovas, il y en a en permanence. Voilà, bon, elles sont voilà, entre magnitude 10 et 15. Tout le monde ne peut pas aller les chercher. Mais voilà, pour peu qu'on sache à peu près faire de l'astrophoto, tous les mois on peut choper une nouvelle supernova. Et donc dedans c'est expliqué bah, où trouver la liste des supernovas. Et puis la toute première playlist, généralité, qui aborde bah, l'astronomie pas à pas. Alors, je vais voir où ça en est au niveau du stacking. Voilà, donc on approche de la 13e pause. Là, j'en ai empilé que 7 images. Donc là, j'en ai 2 fois plus. Donc si je refaisais l'exercice, on aurait une rosette encore meilleure. Parce qu'à chaque fois qu'on ajoute une image, bah, on diminue le bruit disgracieux qu'on voit ici, l'espèce de granularité. Mais quoi qu'il en soit, on a une rosette qui est déjà, avec juste cette pause, qui est déjà pas vilaine. Bah, d'ailleurs, je vais l'enregistrer. Alors, hop. Alors, dans ce répertoire-là, Rosette. Et du coup, voilà, comme elle est enregistrée ici, la Rosette, et ben je vais l'ouvrir avec... Ouais, c'est pas le meilleur logiciel. Alors. Je vais ouvrir un feed. Et on ne peut pas sélectionner le fichier, il ouvre que des sites. Alors ici, si je l'enregistre au format fit, est-ce que je peux le faire? Oui, je peux. Et donc maintenant que j'ai ma Rosette Fit, je peux l'ouvrir avec cet outil-là. Bon, donc voilà cette image. Donc l'image est bruitée, mais voilà, on a quand même de jolis détails ici. On a quand même de la matière. Et donc voilà, on va mettre la rosette. On va mettre. Alors, du coup, la rosette, je vais. Je vais la cadrer comme ça. Et si je prends la toute première image de la soirée, voilà, voilà. Donc ça, c'est le butin de ce live. Donc on a la rosette que je suis en train de faire en ce moment, on a l'homme qui court, la nébuleuse de Méran et la grande nébuleuse d'Orion. Et le live a débuté sur cette magnifique nébuleuse Californie, ou en anglais California Nebula. Et donc sur ce, bah donc avant de partir, lâchez les derniers pouces bleus pour m'encourager. Voilà, si vous pensez à utiliser le bouton rejoindre. Et sur ce, voilà, je vous dis bonne soirée. Donc avant de partir, pensez bien à lâcher les derniers pouces bleus, parce que voilà, c'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de choses. Là on a un live, on a quand même bah, une belle brochette de 5 objets en 3 photos. Et puis bah, merci d'avoir assisté. Donc voilà, avant de partir, les derniers pouces bleus. Et puis bah, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et puis bah, je vous dis bah, à bientôt. Dès qu'il y aura un créneau météo, voilà, vous l'aurez compris, on fera plein de nouvelles observations. Et bah là, quand on regarde, c'est quand même fou ce qu'on peut faire avec un tout petit objectif d'appareil photo. En plus, depuis l'agglomération lyonnaise, donc une ville où voilà, on a de la pollution lumineuse, en veux-tu, en voilà. Et malgré tout, on peut quand même réussir à faire des images. Voilà, là, il faudrait beaucoup plus d'images pour avoir la même douceur d'image qu'on a ici sur la nébuleuse d'Orion. Parce que donc là on a 51 poses, là on n'a que 7, donc forcément c'est pas la même qualité en termes de qualité d'image, mais voilà, la rosette pour le coup on la voit. Et donc sur ce, je vous dis à bientôt, à plus. Donc,